Vezzani est le chef-lieu du canton de Vezzani, qui regroupe sept communes. C'est une commune de la façade orientale de la Corse. La commune est située au nord-est du massif du Renoso, dominée par la partie orientale de la forêt territoriale de Rospa-Sorba. Son territoire occupe la haute vallée du Tagnone. Peuplée de 320 habitants à peu près, elle a dans ses habitations la Vézanaise, charcuterie artisanale de notre ami Paul et Juliette Fanzi. Si vous allez à Vézani, n'oubliez pas d'admirer le point de vue sur la plaine de Ghisonaccia et d'Aleria. S'il fait beau, vous aurez la chance peut-être de voir les bateaux au loin. Et surtout, vous regarderez en levant la tête à le Milan, rapace corse, volé au-dessus des toits des maisons. Mais nous vous présentons sans plus attendre l'élevage et la charcuterie de Paul Fanti. Il faut savoir qu'il passe beaucoup de temps, d'énergie à bichonner ses cochons. Il les lave et il les nourrit avec soin pour faire l'une des meilleures charcuteries corse. En tout cas, celle que le team Passion Truite et Mer préfère. Nous n'allons pas une seule fois en Corse sans passer par Paul, par chez Paul et Juliette. Nous voyons ici des cochons nés dans l'année, qui ont déjà bien grossi. Mais Paul va nous montrer sa nouvelle acquisition, un Vera, le reproducteur qui sert donc à reproduire et à nous donner ces petits cochons qui deviennent grands grâce au savoir-faire de Paul. Le team Passion Truite, toujours dans l'esprit de partage, n'hésite pas à mettre la main à la tâche pour aider leur ami Paul à décharger les aliments qui serviront à nourrir les bêtes. Et oui, parce que le team Passion Truite et Mer, c'est avant tout le partage. Sans plus attendre, nous voici dans le séchoir, l'antre de la charcuterie artisanale de Paul Fanti. Quel merveilleux trésor que nous voyons devant nous. Vous avez des copas, des lonzo et bien sûr des saucissons sans oublier le jambon. Voilà les séchoirs qui regorgent de charcuterie. Les tarifs sont ceux appliqués un peu partout en Corse, ni plus ni moins. Je vous laisse prendre note de ces tarifs-là. N'hésitez pas, si vous passez par Vezzani, à vous arrêter à la Vezzanaise. Vous ne serez pas déçu, parce que cette charcuterie au goût somptueux. La Vezzanaise, charcuterie artisanale à Vezzani. Merci à Paul et Juliette Fanti pour leur accueil, leur gentillesse et leur amitié.